Merci beaucoup pour le truc sur Facebook. C'est pas mal. Celui qui regarde la salle, travaille de ses pignes. Ok, monter, descendre, monter, descendre, monter, taper, descendre, monter, taper, descendre, monter, taper, descendre, monter, taper, descendre. Là, c'est lui qui est en face ici, lui, hop, il pompe. Ok, il pompe. Genou à terre ou pas, c'est vous qui voyez. Les ceux qui sont ici, à sa face, pliés, pieds joints, pompage, abdos. Pompage, abdos. Pompage, abdos. Ceux qui sont ici, ceux qui travaillent tout. Alors. Ce qu'on vient de faire ici, va ici, échappe, échappe, bouge. Ce qui me fait chier avec le mien là, le Sony il est bien, tu vois, mais le problème c'est... Thank you.
Thank you.
Et là, je suis
Et dans cette situation de protection, on frappe. Elle est capable de frapper ici. Elle est capable de frapper là. Elle est capable de frapper là. Elle est capable de frapper là. Revenir, frapper là. Debout, à genoux, sur le dos, frapper, 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 frapper. Cardio, debout. Frapper. Allez, frapper. Avec nous. La fesse. Revenez sur la fesse. Revenez debout. À genoux. Sur le dos. Thank you.
Tous les citoyens sont des tas qui ne font pas la loi. Il n'y a que les forces de sécurité.
un objet, c'est-à-dire une arme, que si on s'en sert comme une arme. Au départ, c'est très important. Donc, si on défend les associations de nature, j'utilise un objet du quotidien, on va rappeler que c'est un sac à main, un sac de course, ça devient une arme, on se conserve, ce n'était pas une arme au départ. Donc, finalement, on ne pourra pas en retenir l'invention. Si vous avez une arme, ne serait-ce qu'une arme que vous avez le droit d'acheter dans le commerce, il y avait l'intention au départ que je pouvais un jour m'en servir. Or, si vous avez fait pareil, vous avez un parapluie, un journal, une lampe, une aussi. Vous êtes d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui différencie ces armes? Qu'est-ce qui les différencie? Il y a des valeurs. Portail, en masse, le tout, le rigide, le dur, etc. Ils peuvent être. Redondance, ça va percuter, peuvent être dense, peuvent être plus fort, voire plusieurs à la fois. Si pour me défendre, j'emploie par exemple. Donc, on est passé déjà sur le principe du maintien.
que je vais vous demander. Et bien sur moi, le monsieur petit chien, sur les yeux, je sors de l'air, je crois que c'est déjà la première réaction. Je sors au-dessus de votre poche. Allez, hop, hein. Il sort de l'air. Ça, c'est déjà. Comme si je sortais mon couteau de poche. Je sors un couteau et je. Rien, je sors. C'est non. Ah. Ok. Lady, lâche-moi trop. Je sors. Lâche-moi. Les hommes violents, l'avantage des hommes violents, c'est la possibilité à la chance. Ça, c'est bien. Et quand j'ai ça, déjà, c'est très bien. Et bon, on se calme. Ça y est, j'arrive à la main. Bon, allez, prends la main. Voilà. Plus c'est long, plus c'est long. Après, n'oubliez pas que c'est pas parce que vous avez deux violents. Pas l'analyse, vous n'avez pas les chambres libres, les coups de libre, la capacité d'enchaîner des techniques de contrôle, etc., des problèmes, il n'y avait pas. Alors, avec arme longue, courte et moyenne, vous testez, on tournera et après je peux différer de vous prendre des cassettes. Ça marche? Au boulot! Métier à distance, frappe, arrière 3, sans effet. Les jambes. Déjà, je m'en vais le truc, c'est bon, je casse. Mais c'est clair. Je suis en tout dans les positions comme ça, quoi. Ah, moi, je vais me tutiller, j'anime. Ah, surtout, il y a l'attitude qui va avec, quoi. Thank you.
travailler sur ces différents petits scénarios. Donc vous deux, un face à lui, un face à lui, de là. C'est partout, on est par deux là. Quelqu'un là, oui je sais, il fait peur, mais bon quand même. Quelqu'un là. Voilà. Mets-toi en face. Et je vois. Voilà, face à face. Ça marche? Tout le monde est passé là du coup? Ouais? Bon. Ok, alors ici. Travail souple. Donc là on est en fin de séance, on va descendre. Hein. Mais restitution de la séance. En souplesse. Ah, ici, je sais pas. C'est le problème, dans la face. Là, il n'a pas bloqué. Blocage. Là. Voilà. Petit coup de pied. Bon, si tu veux. Bah, il poste. Petit scénario qu'on a vu au début. Bon, il y a de quoi agir. Je ne frappe en bas. Il revient. Bon, je bloque. Je me suis dit, si je frappe en bas, il bloque avec sa jambe. Ah, alors, je n'ai pas essayé d'appliquer ce qu'on a vu depuis le début. Vous vous rappelez ce qu'on a vu au début? Oui, non? La claque. Un. Paf. Boum, il revient au chien, voilà, souple, je ne te mène pas à terre, je travaille mes réflexes. Ici, chacun son tour. Ouais, j'enchaîne tous les coups. Voilà, c'est bon, allez, pareil, genou, allez, distance, voilà, là, voilà. Ronde, frappe, libre, toutes les frappes que vous connaissez. Tout coude, tout genou, tout pied direct, circulaire, vous bougez, pas fort. Quand je donne le top, à chaque fois, on changera les rôles, d'accord? Ici, défense sur, avec bâton. Qu'est-ce qu'on a vu, je peux le saisir. Et on dégage.
Thank you.
4, relâche derrière, sans appuyer sur les syndicats. Gauche, la narine droite du voisin, vous bougez un peu, c'est pas très agréable.
creuse là-bas. Sur le souffle, va souder, garder le mouvement, va souder, fais ça dans la tête. Encore une fois, montez, relâchez, bloquez, tirez, petit à petit arrière, bloquez les mains, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 7, 6, 7, 8, écartez les genoux, glissez les bras, posez les coudes, posez le nombril, pieds serrés derrière, posez le nombril. Le nombril. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Amenez, gardez l'écart. Poussez en arrière. 3 tendus. Amenez le bassin là. 2, 3, 4. Pieds, jambes, basculez. 2, 3. Maintenez la pression, passez le bras. 3, 4, passez le bras. 2, 3, 4, avancez les mains. 2, 3, 4, posez les avant-bras. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, poussez sur les mains. Redressez le dos. Ramenez les mains doucement. Reposez les mains derrière. Thank you.